que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog back to school ou back to work selon les gens. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une night routine, veille de rentrée. Donc je pense que tout le monde va faire sa rentrée fin août, début septembre, donc que ce soit la rentrée scolaire ou la rentrée au taf, hein, tout simplement. Donc moi je reprends demain mon taf, je suis ravie. J'ai repris le 26 août je crois, c'est comme le lundi juste avant. Ça fait vraiment bizarre de se dire que c'est reparti pour toute une durée de travail, enfin je suis pas prête. Donc là nous sommes la veille de rentrée, j'ai fait pas mal de choses en réalité aujourd'hui pour les vidéos YouTube et pour Instagram parce que c'est toute une organisation hein, de Instagram, YouTube, TikTok, plus le travail, plus la vie perso pro etc. Je vous ai fait plusieurs vidéos back to school, j'ai fait la chasse aux fournitures, des hauls fournitures, mon budget, j'ai fait la préparation pour la rentrée, donc les choses à faire avant la rentrée que je devais faire. C'est mon organisation aussi qui était mercredi. Du coup aujourd'hui c'est la night routine et demain, attention demain, c'est la morning routine. Donc je vous fais vraiment à la suite. Donc activez la cloche, abonnez-vous, comme ça vous loupez aucune des vidéos. Et je n'ai pas fini pour les vidéos back to school. J'ai encore 2-3 vidéos qui sont là pour la semaine prochaine en attente. Donc j'ai trop hâte que vous voyez tout ça. Mais c'était vraiment beaucoup de travail pour les back to school, on s'en rend pas forcément compte. Enfin moi j'ai pris des congés payés pour pouvoir les filmer. Donc j'ai pas pris des congés pour pouvoir partir, j'ai pris des congés pour travailler. C'est ça la vie de tonton preneuse. Mais bon, heureusement que c'est une passion, hein, j'ai envie de vous dire. Du coup, on va faire notre petite night routine, un petit vlog voilà, de soirée, vous montrer un petit peu ce que je fais. J'ai reçu énormément de colis, donc je pense qu'on va faire un petit unboxing. J'ai fait beaucoup de réels et de photos. Donc j'ai posté ça sur Instagram, donc c'est mes tenues de la semaine en version robe, mes tenues de la semaine en version pantalon. Donc c'est dispo à la fois sur Instagram, à la fois sur TikTok, j'ai mis les deux comme ça vous loupez pas la vidéo. Donc, généralement les chemises viennent de Free, à 3€, les pantalons viennent de chez Zara, enfin franchement c'est à des petits budgets, donc pas besoin de mettre 300€ dans une tenue pour aller travailler, enfin voilà. Donc généralement les tenues sont autour de 30 à 40€, donc franchement c'est pas très cher. Et ça fait habiller. Comme vous pouvez le voir c'est un carnage, il faut que je range tout ça. Donc j'ai mis, j'ai pris en photo les robes, là c'était tous les chemisiers, les pantalons etc. qu'il faudra que je re-range. Vous voyez il y a pas mal de choses, des chemises etc. Enfin voilà, il faudra que je range tout dans le dressing. Mais aussi j'ai reçu une commande, enfin plusieurs commandes, donc je vais vous les montrer maintenant comme ça ça sera fait. La première commande c'est Shein, donc cette partie de vidéo est en collaboration avec Shein. J'ai reçu 2-3 petites choses donc je vais vous les montrer. Les premières c'est ces petites tasses, je pensais pas recevoir les deux mais du coup j'ai eu les deux, c'est des tasses avec des petits chats comme ceci. Donc avec la tête des petits chats, enfin c'est trop mignon. Je vous mettrai les liens des articles en barre d'informations mais c'est extrêmement choupi. J'ai montré ça à mon copain en mode est-ce que tu en veux un ou deux parce que sinon j'allais le donner à une copine parce que je pensais pas avoir les deux. Mais non, garde-les, ils sont trop mignons, du coup bah voilà. Pour le travail, je suis trop contente d'avoir enfin reçu ça. Donc c'est un truc que tu mets devant ton clavier pour tes mains. Pour pas avoir trop mal aux mains, etc. C'est hyper moelleux. J'espère que ça va pas trop salir, mais c'est en effet un peu simili-cuir. Donc hâte de tester ça avec des petits nuages. J'ai reçu plusieurs robes que je vous ai montrées du coup dans mes tenues de la semaine. Donc cette première robe qui est vraiment très jolie avec un très beau décolleté par contre. Donc faut faire attention quand on se penche. Juste un tout petit problème au niveau de la fermeture, c'est un peu galère à la fermer. Mais sinon franchement la robe est vraiment pépite. Ensuite l'autre robe bleue vous avez kiffé sur Insta, c'est celle-ci. Elle est trop belle. Franchement, ça fait très bohème, très estival, très jolie. Enfin, je pense que je vais mettre une des robes pour demain au travail s'il fait pas trop moche. Donc voilà, cette robe sublime. Franchement, très belle. Ensuite, une autre robe blanche. Celle-là aussi, vous l'avez kiffée. Hyper belle robe blanche, hyper bohème. La qualité est incroyable. Le motif aussi est vraiment top. J'ai un peu le même motif en chemise. Moi, j'adore les robes blanches. Je trouve ça magnifique. Surtout pour le taf, ça fait assez élégant, je trouve. Ensuite, cette robe, je l'ai pas testée. Putain, j'ai oublié de la porter. Une robe comme ceci. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais elle est assez jolie avec des petites roses comme ceci, vraiment trop mignonne. Je pense qu'elle peut m'aller avec des petites broderies sur le dessus. Enfin, franchement, les détails sont assez jolis. Et la dernière chose que j'ai reçue, c'est ce haut. Vraiment trop beau. Alors j'ai mis un short, hein, je suis pas à poil, je préfère le préciser. Mais du coup, voilà, j'ai mis un petit short en dessous avec ce haut vraiment, mais trop beau, avec des tickers comme ça. Enfin, vraiment trop choupi. Je sais qu'ils vont se foutre de ma gueule quand je vais au taf avec ça. Mais franchement, j'aime trop. C'est trop mon style, c'est trop bohème. C'est avec un petit rouge à lèvres rouge et mes petites pinces là, fraises, sont trop mignonnes. Donc franchement, trop mignon. Donc j'ai mis ça aujourd'hui
pour chiller un petit peu parce que c'est vraiment très confort et c'est assez aérien, donc j'aime beaucoup. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. Donc super bien, franchement je suis très contente pour ces petites robes. Je pensais pas que la qualité allait être aussi bien. Ensuite j'ai reçu un autre colis. J'ai reçu de la part de The Ordinary ces trois produits, notamment le sérum qui est plutôt intéressant. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec The Ordinary. Donc c'est un sérum en fait purifiant aux 7 bénéfices. Donc je vous mettrai les 7 actions juste à l'écran. Donc c'est un sérum qui permet de limiter l'excès de sébum, de resserrer les pores, notamment de corriger les irrégularités du teint. Donc il se présente comme ceci. Et en fait il est connu parce qu'il y a 7 actifs, donc 7 bénéfices pour votre peau, notamment du coup l'excès de sébum, etc. Mais aussi il a un effet sur la peau post-acné. Donc il va pouvoir réduire vos marques d'acné. Alors ça vraiment si ça fonctionne, ça va être génial. Je vais vraiment le tester à 100% pour pouvoir voir les effets. Et donc c'est vraiment fait pour les peaux acnéiques et aux imperfections. Donc ça va permettre d'avoir un teint beaucoup plus unifié avec beaucoup moins d'imperfections. Et vraiment l'avantage de The Ordinary c'est le prix. Le prix est vraiment très avantageux. À chaque fois les produits sont vraiment pas très chers. Donc franchement si ça fonctionne vraiment c'est une pépite. Pour intégrer au mieux ce sérum dans votre routine, ils m'ont du coup envoyé le nettoyant. Il se présente comme ceci. Je l'avais déjà acheté mais du coup il est vraiment très bien. C'est un nettoyant moussant au glucoside. C'est vraiment plutôt pas mal pour les peaux aussi acnéiques et sensibles. C'est très très bien. Ensuite vous appliquez ce sérum là et dès que le sérum est totalement absorbé par votre peau, vous mettez ce petit gel hydratant. Donc c'est pas une crème, c'est vraiment un aspect gel. Donc dedans il y a des acides aminés, de la phospholipide et des bêta-glucanes. Donc ça va permettre de beaucoup mieux hydrater votre peau. C'est un gel du coup pour le visage à utiliser en dernière étape de votre routine soin. Merci beaucoup à The Ordinary de m'avoir envoyé ces produits. Je vous conseille cette marque, elle est vraiment abordable, ça marche vraiment bien. Bon, il y a vraiment très peu de lumière. Je sens que ça va tonner ce soir, que ça va pleuvoir. On va se faire une petite soirée vraiment chill dans le lit en train de regarder Emily in Paris. Et faut savoir que... Il faut sachez que Emily in Paris a tourné en face de mon taf. Enfin, c'est un truc de ouf. Moi, je trouve ça incroyable. J'ai trop hâte de voir la saison 4 du coup pour essayer de scruter toutes les rues et voir s'il y a mon bureau qui apparaît ou pas. Et sinon, j'ai reçu ça. Donc, c'est en vue d'une collaboration potentielle. Donc, généralement, quand je fais des collaborations, je demande à tester les produits pour voir si je vous en parle ou pas. Donc là, je vais pouvoir tester cette marque-là que je ne connaissais pas. Enfin, j'avais déjà vu des pubs, mais je ne connaissais pas. C'est la marque Oli. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, si j'aime bien, je vous en reparlerai. Si j'aime pas, bah, je vous en reparlerai pas. Mais du coup, ils m'ont envoyé des petits produits pour pouvoir tester tout ça. Mais il y a beaucoup de collaborations que je refuse du coup à la fin parce que des produits ne me conviennent pas. Je trouve que c'est soit de la mauvaise qualité, etc. Donc c'est souvent que je refuse beaucoup de collaborations parce que vraiment, des fois, faut arrêter des conneries, quoi. Je trouve ça hyper sympa par contre. Le packaging est hyper drôle. Et la bouteille est vraiment d'une bonne qualité. Bah écoutez, on testera. On verra ce que ça donne. Normalement, je laisse toujours environ une semaine pour tester, pour voir comment ça dure, si la bouteille elle s'effrite ou pas, si la boisson est dégueulasse ou pas. Enfin, vraiment, voilà. Donc, je me laisse toujours un petit peu de temps pour me décider. Non, mais du coup, il faut entreposer toutes ces choses à force. Là où je les entrepose, bah, c'est dans le bureau. Et le bureau, à force, bah, c'est un peu un carnage. S'attaquer au rangement de tout ce bordel. Voilà, les robes, les chemises, etc., les pantalons. Donc on va ranger tout ça parce que là c'est plus possible, j'avais rangé tout l'appart et bah c'est de nouveau le bordel. Déconfine de toute façon, c'est de nouveau le bordel. Non mais ça y est, il y a la lumière maintenant. Non mais je comprends plus rien. Un coup il fait super moche, ça va tonner, un coup bah il y a de la lumière de fou dans le salon. Bon bah voilà, hein. Donc j'ai retiré du coup tous les vêtements, etc. Et là je viens de voir que ma poubelle jaune est vraiment en train de souffrir. Du coup je vais aller mettre les poubelles maintenant, comme ça sera fait, que ce soit les poubelles normales, etc. Au moins tout sera clean pour demain. Donc ça y est, je viens de mettre les poubelles. J'ai vraiment fait un chignon, vraiment à l'arrache. À chaque fois je mets les poubelles, je mets toujours du parfum d'intérieur de chez Esteban à la pêche. Ça sent trop trop bon. Et j'en mets en fait au niveau des poubelles pour que ça sente bon, même à l'intérieur. Voilà, maintenant on va essayer de ranger aussi un petit peu bah, le tout, faire un brin de ménage, mais vraiment très léger. Je pense qu'on va passer Josette. Il y en a un, il kiffe les torchons, les microfibres. Vraiment, il se... Tranquille, hein. Ça va? La famille, les amis, tranquille. Mon bébé, c'est ça. Oh, c'est dur la vie. Oh, c'est très très dur ça. Oh là là. J'en ai marre que vous me réveillez la nuit. La nuit, les deux là, lui et lui, là, là, ce petit, ils font une course poursuite à 5h du matin. Je sais pas ce qui leur arrive. Prince me saute dessus, il court partout dans l'appart. Je n'en peux plus, je veux dormir. J'en ai marre. Laissez-moi dormir. J'ai pas fini de ranger. Parce que j'ai un mail d'une marque et il a fallu que je change 2-3 choses. Donc j'ai dû faire ça en dernière minute. Parce que la vidéo sort du coup prochainement. Il faut que tout soit bouclé. Enfin, voilà.
Donc j'ai dû tout modifier, tout refaire, enfin ça m'a saoulé. Donc je suis ravie, ça m'a pris une heure que je vais utiliser pour nettoyer. J'ai envie de pleurer parce que Prince a chié dans mon lit, je n'ai pas de couette pour ce soir ni de drap, j'en ai ras le cul. Faut savoir qu'il me le fait toutes les rentrées scolaires, soit il pisse, soit il chie dans mon lit. Genre vraiment à chaque fois, je sais pas pourquoi, c'est tout le temps la même période. Même si sa caisse elle est propre et tout, hein. Franchement c'est relou, du coup faut que je lave encore une fois mes draps. Je fais que ça tous les mois de septembre, je fais que ça. Je n'en peux plus. Hier soir déjà il avait vomi dans mon lit donc j'ai dû laver les draps. Ça n'avait pas touché la couette, j'étais contente. Donc j'ai lavé les draps et plaid. Et là maintenant c'est la couette qui était du coup sur le lit comme ça. C'est usant. Genre j'ai pas de couette du coup pour ce soir. C'est vraiment génial. Ça me saoule mais d'un point. En plus ça sèche pas parce que dehors il fait pas si chaud que ça. Donc c'est génial. Ça me saoule. Du coup, laissez faire mon aspirateur robot passer dans tout l'appartement. C'est vraiment un gain de temps. Elle aspire et nettoie en même temps. Donc, c'est vraiment trop trop bien. C'est une Philips, si vous demandez. Hein, Prince, le chieur là. Il est 19h11. Quand il y a Josette qui passe, bah, du coup, je peux plus faire grand chose parce que j'ai pas envie de la déranger, de la saouler. Donc, j'étais en train de travailler sur l'ordinateur. Donc, de faire tous mes montages de réels, de TikTok, etc. pour essayer d'avancer un maximum parce que la semaine. J'ai pas vraiment le temps, ni la foi, ni la... Enfin, je suis très fatiguée quand je reviens du travail, je sais pas pourquoi. Genre vraiment, je suis épuisée. Ça, je le fais le week-end, vraiment le soir, j'essaie de me forcer à le faire parce que sinon, la semaine, je fais pas et du coup, vous avez pas de contenu. Et c'est nul, c'est chiant. Et donc ça me fait penser à reprendre des compléments alimentaires. Ça a fait 2 mois, du coup, j'ai pas recommandé. Donc je pense que je vais recommander ma cure, du coup, sur le site Cure. Enfin, c'est pas une collab, je paye moi-même mes cures, elles sont très très bien. Donc c'est vivant les compléments alimentaires. Pour les cheveux, ils sont très bien. J'ai utilisé ça pendant 5 mois et je peux vous dire que mes baby hair ils ont vraiment poussé. Donc ça je peux vous conseiller et du coup je vais refaire le petit test sur le site et je vais recommander parce que j'ai besoin de punch là actuellement. Vous avez toujours mon lien de parrainage, c'est Elisa 2092. Vous avez moins 30% sur votre première commande, ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc on se retrouve dans la salle de bain. C'est vraiment une catastrophe ma coupe. Je voulais vous montrer le rouge à lèvres que j'ai utilisé toute la journée. J'ai pas fait du tout de retouches et comme vous pouvez le voir ça va. Enfin, il n'y a pas trop de... Enfin ça a bien tenu je trouve. Hein. C'est le Huda Beauty si vous voulez la référence. C'est le Heartbreaker. Voilà, il est très très bien. Donc on va manger après, mais d'abord je vais me faire un petit masque pour les cheveux, genre un truc assez vite fait. Je vais voir ce qui me reste en masque, en soin avant le shampoing du coup. Donc on se brosse bien les cheveux avant, c'est très important. Alors qu'est-ce que j'ai en masque? Il n'y a plus beaucoup en vrai hein, des masques. Ah, Before Shampoing, bah parfait. Voilà, je vais utiliser le Laplex numéro 3, c'est très bien. C'est quelque chose que j'utilise depuis des années, du coup j'en ai encore. Ça, c'est vraiment top top top. Donc j'en utilise surtout sur les longueurs. J'aurais dû le mettre de ce matin carrément pour laisser agir. Après j'ai d'autres masques pour les cheveux mais c'est des trucs que tu mets avec une Charlotte pour la nuit. Donc là j'ai pas forcément envie, je pense que je le ferai la semaine prochaine. Mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup de masques, faudra que j'en rachète à Action. Genre les masques en tissu et tout, j'en ai plus du tout. Mais je perds mes cheveux mais de ouf, alors je viens de passer la spi. Du coup je me suis commandé les compléments alimentaires, ça va arriver sous 2 jours. Au moins j'aurai ça pour essayer de me rebooster parce que là vraiment je suis crevée. Alors que je reviens de vacances, non en soi je ne suis pas partie en vacances du tout, j'étais en congé mais j'ai fait que filmer donc je ne suis pas du tout réellement reposée. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai des vacances bah je fais que filmer pour vous produire du contenu parce que après en fait il me faut de l'avance pour quand je travaille parce que bah c'est pas possible. Enfin je pense que vous, en rentrant du travail, vous avez un peu la flemme de filmer. Bah, c'est pareil pour moi, même le week-end, vous avez envie de vous reposer. C'est pareil pour moi, du coup, il faut que j'ai un minimum d'avance sur mes vidéos. Bon, là, avec les vidéos Back to School, c'était un peu compliqué d'avoir de l'avance. Je filme un peu au jour le jour et je monte la nuit et je vous upload ça le lendemain. Donc, c'est un peu compliqué. Et bon, là, vous allez avoir beaucoup de vidéos, quasiment 3 par semaine. Et après, ça reviendra à 1 le dimanche. Comme ça, je pourrai un petit peu plus souffler et avoir un peu d'avance. Et vous pouvez voir, enfin, vraiment, ce produit est très bien. En plus, ça laisse les cheveux souples. C'est super bien. Donc ça y est, je l'ai fini, c'est ciao. Et du coup, on va se préparer à manger. Je vais me faire une petite salade assez vite fait. Pour le repas de ce soir, je vais pouvoir cueillir mes petites tomates et me faire une salade de tomates. Oh, je suis trop contente. Je suis extrêmement fière de moi. J'ai laissé encore celles qui sont, je sais pas si vous les voyez. J'en ai laissé quelques-unes parce qu'elles n'étaient pas encore totalement rouges. Mais quand même, ouh. Là ma petite récolte, oh mon dieu. Avec mon basilic aussi, maison. Trop contente. Du coup pour ce soir, ça sera avocat, tomate, chef. Je pensais que j'avais de la mozza, mais non pas du tout. Avec une mangue. Ça va être trop trop bon.
Et voilà pour la petite salade, donc tomates du jardin, basilic du jardin, chèvre, avocat. L'avocat est vraiment trop beau, hein. Franchement, ça fait 2 jours que j'en mange, ils sont très très bons, je les ai achetés au marché, oh, incroyable. Et une petite salade de mangue, vraiment la mangue, il fallait la faire parce que là elle commençait vraiment à pourrir. Donc très contente. Le linge est enfin terminé, je vais pouvoir mettre à sécher ma couette. Donc je vais la mettre à sécher sur les chaises parce que c'est pas droit du tout. Attendez, je vous recale. Bon, vous n'êtes pas plus droit. Hein. Mais jamais sécher sur les chaises parce que sinon, sur les portes, là, après, ça m'abîme les portes. Bon, j'espère que c'est propre. Normalement, oui, c'est propre. Super. Et du coup, Prince, c'est pas une question de litière, de héros ou je sais pas quoi. Hein. C'est juste toujours en période de septembre, il fait chier. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, il fait juste chier. Donc on s'adapte à chaque fois, mais bon, c'est chiant. Genre le veto, il sait pas pourquoi. J'avais même rajouté une autre litière, ça avait rien fait du tout. C'est juste une mauvaise passe et en espérant qu'il arrête quoi. Ah, moi c'est ça! Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Rien à faire là mon gars! T'as rien à faire là mon gars! Oh mon amour! Non mais regardez-moi cette beauté. Il a bien grandi hein. Oh mon chat! Bon là j'ai plus du tout de rouge à lèvres au milieu, tout est parti. Donc là il est 20h, je vais aller me laver et donc me démaquiller sous la douche pour enlever tout le mascara, le rouge à lèvres, etc. Donc ça sera beaucoup plus simple. Donc pour ma douche c'est très simple, j'utilise... Ah bah il vient de se décoller. J'utilise des shampoings solides qui viennent de chez Yves Rocher. Ils sont très bien, il y a aussi ceux de Unbottled qui sont vraiment très très bien. Donc j'utilise ça pour me laver les cheveux. Et comme j'ai de douche, je prends celui-ci de Yves Rocher, celui au Monoï, j'adore ça. Je prends, bon, je pense que je l'ai bien entamé là, ce savon solide qui est aussi à la fois gommant. Donc ça fait un petit gommage assez léger sur la peau, c'est plutôt pas mal. Et pour toutes celles et ceux qui se rasent, moi j'aime beaucoup mettre ça sur mes jambes après m'être rasée. C'est une douche sur gras. Donc ça va vous permettre de hydrater vos jambes, enfin les parties où vous vous rasez. Et du coup moi je mets ça à chaque fois que je me rase les jambes. Donc si ça peut vous aider pour éviter les tiraillements, n'hésitez pas à prendre vraiment des crèmes comme ça, des douches crèmes sur grasse, pour pouvoir hydrater au mieux votre peau. Donc ça j'avais acheté pendant la collection de Noël, Yves Rocher. En fait je consomme beaucoup Yves Rocher quoi, j'avais pas capté. Mais je vous ai pas montré, mais du coup j'utilise ça pour le masque, c'est Garnier. Et franchement j'utilise que ça depuis des années et c'est très très bien, j'ai un stock de ouf. Ça coûte assez cher mais c'est vraiment très pratique. Ensuite pour me démaquiller j'utilise ça, c'est une mousse nettoyante, donc elle nettoie et elle démaquille. Je me démaquille pas les yeux avec, mais je me démaquille tout le visage. Et enfin quand je vais me faire des masques, ben je me fais un gommage juste avant sous la douche, donc c'est avec ça, de la poudre enzymatique, donc ça c'est au green tea, ça fait longtemps que je l'ai et vraiment très très bien, je vous conseille vivement, c'est plutôt pas mal. Je crois avoir entendu Prince dans sa litière. Non mais vraiment ce chat se fout de ma gueule, hein. J'en peux plus. Ah bah oui, c'était bien lui. Alors pour les masques en tissu, j'en ai plus beaucoup, je sais pas si j'ai encore pour les pieds, non, bon, j'ai pour les mains. Donc ça, j'en avais racheté un à Action de Foot Mask, donc j'ai bien fait. Et pour le masque, je vais utiliser celui-ci. C'est un masque qui fait des bulles. Franchement, c'est super bien. Ça fait 4 semaines que j'utilise tous les dimanches. Vraiment très très bien, de la marque Dermalogica. Je vous conseille vivement. Franchement, j'ai jamais une peau aussi purifiée, les pores resserrés, vraiment hydratée aussi. Enfin vraiment, c'est super bien. Et bah du coup, on va l'utiliser ce soir. Donc voilà, ça va être le petit combo ce soir, les mains, les pieds et ça. Et du coup, ça y est, c'est la fin des vacances. J'étais avec mon copain pendant un mois. C'était trop trop bien. On n'est pas parti en vacances parce qu'on a adopté Rose. Donc on a décidé de ne pas partir en vacances jusqu'à ce qu'il soit un peu plus adulte. Donc d'ici c'est un an je pense. On a bien profité, mais ça y est c'est le retour un peu à la réalité. Donc lui il habite dans une autre ville, hein, à l'est de la France, donc un peu loin, il a 4 heures de train de Paris. Donc assez loin, donc je le vois juste le week-end. Donc j'ai hâte qu'on vive vraiment à deux dans l'appartement, qu'on soit vraiment, enfin qu'il soit 100% chez lui parce qu'il a un autre appart du coup dans l'est de la France parce qu'il travaille toute la semaine. Et du coup le week-end il revient. Donc c'est un peu long, mais bon il reste quelques mois et après bah, ça sera terminé. Il pourra enfin être ici, chez lui. Je vais pas rester longtemps au travail parce que je vais me faire opérer et ensuite j'ai ma soutenance. Donc j'ai beaucoup de choses à faire avec la fac, donc j'ai posé des jours pour pouvoir tout gérer parce que sinon je peux pas. J'y arrive plus. C'est des jours de révision du coup. Pour la soutenance, pour pouvoir préparer ça au mieux. Je suis un peu triste, je vous avoue, parce que bah voilà, c'était un mois super avec mon copain et j'ai trop aimé. C'est le retour à la réalité, donc ça fait un peu chier. Donc ça se présente comme ça, ce petit masque, et après du coup, vous voyez rien. Et après du coup, ça va se transformer en bulle, donc faut vite bien appliquer. Donc je l'applique en cercle, comme ceci. Mais je suis contente de retrouver mes collègues demain, je pense que... Pareil, on a vraiment un très bon groupe
de collègues, donc ça c'est super. D'avoir une bonne ambiance au travail, c'est le plus important, je trouve. Limite au même palier que le salaire pour moi. Il faut avoir une bonne ambiance, même si bon, bah les collègues ça part, ça vient, mais un minimum de positivité quoi. Putain, ma gueule. Mais vous voyez, ça gonfle énormément et ça devient tout gonflé. C'est pas mal, ça picote un peu. Et en fait, ça va totalement nettoyer vos pores. C'est vraiment un truc de ouf. Je pensais pas en l'achetant que ça faisait ça. C'était pas si cher en plus, donc franchement, n'hésitez pas. Peut-être que je vous le mettrai en barre d'information, celui-ci, si j'y pense. Franchement, n'hésitez pas parce que vraiment, ma peau est devenue beaucoup plus lisse, beaucoup plus douce. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et du coup, pour nettoyer ce masque, c'est simple, c'est dès qu'il n'y a plus de bulles, dès que ça devient, dès qu'il n'y a plus de mousse en fait, bah du coup, vous pouvez nettoyer. Et c'est hyper drôle, enfin on dirait un petit, petit nuage. Bref, je vais aller mettre mes petits masques aussi devant la télé, je vais me poser, je vais allumer une petite bougie, je vais vraiment allumer la télé, etc. Et ce soir, on se regarde Emily in Paris. Oh, j'ai si hâte. Et pour celles et ceux qui se demandent, ce pyjama vraiment incroyable, hyper bien au niveau de la matière et tout, ça vient de chez Primark, je vous l'ai montré dans mon haul sur TikTok. Le haul de rentrée va arriver bientôt, mais sur TikTok c'est déjà disponible, donc si vous voulez voir tous les hauls que je fais en avant-première, c'est sur TikTok. Donc comme vous pouvez le voir, le masque s'est résorbé, j'ai enlevé aussi le masque pour les mains, vraiment très très bien, celui chez Sephora. J'ai toujours mon masque pour les pieds, mais du coup il faut que je mette des chaussettes pour pas tâcher mon sol, parce que j'ai les pieds pleins de crème, donc c'est pas terrible, donc il faut que je cherche des chaussettes. Et puis ben, on va nettoyer tout ça, on va aller dans la salle de bain, c'est parti. Ouh là là, faut pas que je me casse la gueule moi. Bon, j'ai retiré le masque avec un bain de toilette, donc... ça c'est bon. Et du coup le soir, ce que je mets c'est ce petit sérum cible tache pores etc, enfin de chez Sephora. Pour l'instant je vois pas trop les effets, je vous avoue, ça fait un mois que j'utilise, j'ai pas encore vu les effets, mais bon, on y croit hein. Il faut un minimum de 3 mois d'utilisation pour voir vraiment les effets, et là ma peau elle est en mode je respire. Vous avez une sensation de frais, c'est hyper bien. Franchement, ce masque de Dermalogica est super bien. Ma peau est super douce, c'est un truc de fou. Donc je mets ça sur ma peau, j'attends que ça se pénètre. Et pour les yeux, ça je suis en train de le finir, c'est un petit truc comme ça, une petite crème de chez Kiehl's. Je sais pas si vous verrez, mais du coup c'est la Midnight Recovery Eye. Je crois qu'il me reste un tout petit fond. Non, ça va pas venir. Ah si, oulala. J'en ai mis un peu trop. Et du coup, en plus, le soir après, je mets un baume dans les yeux parce que j'ai un chalazion que j'ai depuis pas mal de temps maintenant qui ne veut pas partir. Du coup, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmologue demain, mais il faut que je mette encore du baume dans les yeux. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc, ça part pas. C'est chiant. Et ensuite, pour ma crème de nuit, je vous la conseille à 100%. Elle est super bien. Vous avez une peau hyper douce le lendemain. C'est celle de Nuxe Rêve de Miel. Franchement, un bijou cette crème. Elle est très très bien, le seul problème c'est que c'est en pot. J'aurais préféré en crème comme ceci, vous savez, en plus grand. Ça c'est mon format voyage. On l'applique, elle est vraiment hyper riche, mais à la fois pas trop non plus. Enfin, vous n'avez pas la peau grasse le lendemain. Donc ça c'est vraiment top top top. Et après le lendemain, bah, du coup j'ai la peau toute douce et toute pimpante, rebondie, illuminée. Enfin franchement, plutôt pas mal. Donc je vais laisser sécher mes cheveux naturellement. Et juste avant le coucher, je vais les sécher un petit peu au sèche-cheveux, genre vraiment vite fait. Et je pense que je me ferai une petite coiffure pour demain, avoir les cheveux un peu ondulés. Et pour du coup les lèvres, je mets cette crème-là, ce baume de chez Eucerin Aquaphor, qui est vraiment pas mal. C'est du gras en fait que vous mettez sur les lèvres. Vraiment cette crème est incroyable si vous avez des sécheresses, des démangeaisons, ça je vous conseille vivement. Ensuite pour le corps, moi j'utilise cette huile sèche de chez Rituals. Donc ça fait un mois que j'utilise, vous pouvez voir que franchement ça ne diminue pas trop, enfin c'est assez bien. J'en mets sur les jambes, ça sent super bon, et en plus bah, ça t'hydrate bien les jambes sans que ça soit gras.
Donc ça, je peux vous conseiller, c'est très très bien. Donc je le mets directement en sortie de douche. On n'a pas fait quelque chose de très important, c'est de préparer son sac pour demain. Moi, je le fais tout le temps, mon sac. Au moins, ça me permet de dormir un petit peu plus le matin, que ce soit 2 minutes, 5 minutes, c'est toujours ça de prix. Surtout que demain, je vais devoir ramener toutes les fournitures scolaires que j'ai achetées pour le travail. Donc je vous montre ça. Donc là, il y a le premier sac qui est comme ceci, où il y a tout à l'intérieur. Il y a même mon pot à fournitures que j'ai fait. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Je crois que c'est en avant-première. Je sais pas si je vous l'aurais mis sur Instagram. Hein. Mais sinon, parce qu'en avant-première, j'ai fait un petit pot en argile avec tous mes petits stylos, ouais, comme ça. Je pense que ça peut être plutôt joli sur mon bureau. Donc voilà, j'ai pris ça, j'ai fait ça moi-même. Franchement, c'est plutôt pas mal pour une première, hein, non? Donc je l'ai mis là-dedans. Et du coup, il y a tous mes weekly planners, etc. J'ai trop hâte de faire un haul à mes collègues, même s'ils en ont strictement rien à foutre. Ensuite, là, j'ai mis tout ce qui est badge, etc. Là, ça sera pour mon ordinateur. Donc mes sacs sont faits, j'ai pris aussi ma gourde. Et j'ai acheté, vous savez, des trucs JO comme ça. Et dedans, en fait, je mets mes cartes de cantine et tout. C'est plutôt pratique. Donc au moins le sac c'est fait. Ensuite, comme lecture dans les transports en commun, bah je vais du coup commencer le Virginie Grimaldi. Ça fait plusieurs fois que je le prends avec moi mais que j'arrive pas à lire. Du coup je vais pouvoir lire ce petit livre, Le premier jour du reste de ma vie. Ces livres là je les ai achetés sur Vinted. J'adore la couverture toute dure comme ça, j'aime beaucoup. J'ai lu entièrement celui-ci, je suis très fière de moi parce que j'ai du mal à lire, donc je suis très contente. J'ai lu celui-ci qui était vraiment incroyable, enfin franchement je vous le conseille, c'était très très bien. Celui-là j'ai acheté sur Bouligny. Et du coup j'en ai encore deux autres qui attendent. Et du coup, celui-ci ira dans mon sac. Ensuite, pour la tenue de demain, comme il fait assez beau, je vais plutôt mettre une robe. Et je vais mettre du coup celle-ci que je vous ai présentée tout à l'heure, que j'ai eue de la part de Chine. Elle est vraiment trop trop belle. Donc je vais pouvoir mettre celle-ci demain avec un petit manteau en lin. Je pense que ça peut être plutôt joli avec des petits nu-pieds. Donc je vais mettre ça demain. Non mais regardez ça, les mèches là. Ça boucle. Bon, la tenue, le sac c'est fait. Et bah écoutez, normalement tout est bon pour demain. J'ai juste pas de couette pour dormir, mais sinon c'est super. Donc je vais me poser devant la télé pour enfin regarder ma petite série. Allez, c'est parti. Regardez-moi ces petits chats. Des poils. Et du coup, le soir, j'aime beaucoup me faire une petite perle de coco. Donc j'ai des perles de coco au congélateur. Dans une petite coupelle, comme ceci. Donc c'est des perles de coco que j'avais achetées à Paris Store. Elles sont vraiment plutôt pas mal, il y en a 50 pour 12 euros. Et voilà pour la petite perle de coco. J'en suis à l'épisode 3 d'Emily in Paris. Ça passe trop rapidement. Enfin, c'est des épisodes de 30 minutes. Je refuse. Je veux que ça double. Je veux que ça soit des épisodes de 1 heure, moi. Il est 23h. Non, mais regardez-moi ces cheveux. Genre, j'avais oublié à quel point mes cheveux ondulaient quand ils sont courts. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose demain. On va du coup faire une petite coiffure. Dans l'habitude, je me fais soit des tresses, soit je me fais, vous savez, le petit bandeau là, comme ça. Donc je pense qu'on va faire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Par contre, je ne sais plus du tout où est le bordel là. Je l'ai retrouvé. Alors du coup, le but, c'est de mettre ça comme ça. Enfin, je pense que vous avez vu plein de tutos hein, sur les réseaux sociaux. Et ensuite d'enrouler, enrouler, enrouler. Donc on va faire ça en accéléré. On dirait la reine d'Angleterre, je sais pas. J'avais déjà testé cette coiffure, mais elle n'avait pas du tout tenu. Alors au bout de 2 heures, c'était retombé, donc on va retester encore une fois. Peut-être que j'avais pas assez serré, je sais pas. Là, je trouve que j'ai pas encore assez serré. Genre, il faudrait que je serre énormément, mais le problème, c'est que bah, ça ne tiendrait pas. Donc bon, on verra demain ce que ça donne. Là, en attendant, je vais aller dans le lit sans ma couette. Bon, c'est un peu triste hein, de dormir avec un plaid, mais au moins, on a une couverture un peu chaude. Moi, c'est cher. Et du coup, on va regarder Netflix directement dans la chambre et on va s'endormir devant comme une grosse merde. Seulement 2 épisodes, donc 1 heure, donc je pense que ça va le faire. Et c'est parti. Il est trop mignon. Ces petites pattes là. Tes petites pattes. Ces petites pattes. S'arrêtez pas de vous embêter les deux. Hein. Regardez-moi avec ces grandes pattes là, ces grands bras là. Oui, toi là. Petit con. T'es trop beau. T'es trop beau comme ça. Oui. Ça y est, le prince est dans son bras à chat. Petit con.
Donc c'en est tout pour cette vidéo avec cette tête là, oh mon dieu, c'est une catastrophe. Je vais aller ensuite dormir et puis bah demain c'est le travail. J'espère que les boucles vont fonctionner, au moins ça m'évite de faire mes cheveux le matin, c'est un gain de temps énorme. Donc j'espère que cette vidéo Night Routine vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai dans cette vidéo qui sera juste en bas. Je vous fais d'un bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.